Salut à tous et salut à toutes, soyez les bienvenus, c'est Yugo05 pour une nouvelle série de combats en ligne sur Tekken Tag Tournament 2 sur PlayStation 3. Donc Tekken Tag Tournament 2 qui est encore fréquenté par les joueurs, hein, malgré la dominance de Tekken 7. Et donc pour cette série de combats en ligne, je vous propose le personnage de JC. Donc JC qui est un personnage exclusif à Tekken Tag Tournament 2. Mais JC, pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, c'est JC, c'est Julia Chang, voilà, tout simplement. Donc JC est en fait une luchadora, voilà, c'est une luchadora, mais vu que c'est Julia Chang, et ben on retrouve, en fait c'est un mélange de, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, de lucha libre et de kung fu xing yi, voilà, un mélange des genres assez bizarre quand même, voilà, donc... Donc pour ce premier combat, je suis en face du duo King Armor King, donc voilà, hop, petite projection. Alors bon, je vais vous dire, ça n'a pas été de tout repos encore une fois cette série de combats, et voilà, petit surplex. Ça n'a pas été de tout repos cette série de combats, hein, parce que bon, je perds plus souvent que je gagne, je vous rappelle. La victoire, des fois, je me dis que c'est un concept un peu obscur inventé par un philosophe fou. Voilà. Allez, hop, le petit coup de pied dans la face pour finir le premier round. Round 2, ready, fight, allons-y. Alors là, bon, c'est Julia Chang, je me suis un peu entraîné aussi avec Julia sur Tekken 7, même si Julia et Jay-Z, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis, on est sur Tekken Tag Tournament 2, donc il y a les mécaniques qui n'étaient pas encore présentes dans Tekken 7, faut pas que je chope le réflexe d'appuyer sur R1 quand je suis en mode rage. Donc Tekken Tag Tournament 2, je rappelle également que c'est un jeu en équipe de 2, comme vous pouvez le voir, qui me met mal. Mais on peut choisir de jouer un seul personnage au lieu de deux, et si on est seul contre deux, et ben on est plus fort et plus résistant. Fight pour compenser notre infériorité numérique, voilà, je le dis souvent dans les vidéos, voilà, je rappelle un peu les fondamentaux de Tekken Tag Tournament, voilà. Et donc là, il est bas, pied, voilà, et il change. Alors, je suis plus fort et plus résistant que lui, hein. Et puis aussi, rappel aussi, dans Tekken Tag Tournament 2, il faut vaincre un seul des deux adversaires pour remporter le combat. Pas de vaincre les deux, comme dans un Marvel vs Capcom par exemple. Voilà, petite prise, élégante prise de JC, j'aime bien, hein. Je préfère que le Julia, c'est plus des prises de catch que de lucha libre. Là, c'est plus élégant, allez, il change, voilà, on peut changer on peut le passer à son partenaire de façon assez rapide, assez pour surprendre l'adversaire, voilà, allez hop, le petit piquet, round 4, ready, fight, allez, je vous ai pas dit, mais vous l'avez vu, pour ajouter du charme à la vidéo, j'ai mis JC en maillot de bain, hein. Normalement elle est pas habillée comme ça, JC, c'est une luchadora, elle est masquée, elle est quand même très sexy, hein, voilà, voilà, je rappelle, dans l'histoire de Tekken Tag Tournament 2, JC, la vraie JC, est tombée dans le coma suite à un accident de voiture, et Julia Chang, vu que c'est son amie, elle la remplace. Voilà, Julia Chang remplace JC, il prend sa place incognito sur le ring, en attendant peut-être que, je sais pas s'ils remettront JC, la vraie, dans un nouveau Tekken, mais enfin s'il y a un nouveau Tekken, hein, parce que ils ont dit ouais, la série Tekken elle est finie, voilà, l'histoire des Mishima c'est bon, c'est une histoire ancienne. Allez, la petite esquive joli, voilà, le coup de pied, attention, trois coups de pied, non, allez, le coup de pied, trois coups de pied bas, non, je bloque, et voilà, le petit coup de pied dans le tibia pour finir, voilà, you win, yeah, wouh. Voilà, et passe au combat suivant tout de suite, hein, ready, fight, donc contre Jin, un petit Jin tonic pour la table 2, allez, coup de pied, point, attention, ce combo est pratique puisqu'il est, voilà, un petit lariat, voilà, là je suis en feu, là, je sais pas si vous avez remarqué, mais on peut voir mes statistiques, victoires, défaites, en dessous de la barre de santé, et vous pouvez faire le calcul vous-même de combien de combats j'ai perdu avant de vous fournir celui-là, et vous avez pu aussi constater que j'ai perdu mon rang, voilà, allez, hop, petite projection, j'ai perdu mon rang, voilà, force de perdre, et je peux pas tomber plus bas. Le rang premier dan, je rappelle, c'est le rang au niveau duquel les choses sérieuses commencent, voilà, c'est à partir de ce rang-là qu'on peut perdre du classement en perdant les combats, voilà, sinon on peut pas, voilà, c'est pour rappeler un petit peu... Size. Donc autant dire que le rang premier dan, bah c'est le rang le plus bas. Et à vous là, voilà.
très élégante, hein, voilà, c'est ça, c'était Julia avant qu'elle devienne complètement luge dans Tekken 7, voilà. Thank you for watching. Ouais, c'est ça, rien d'autre. Ah, il a bloqué la projection. Elle me projette. Attention, le bouquet, voilà. Ouais, le bouquet, je t'envoie, voilà. Et là, je suis un peu en colère, là, je dois dire. Allez, combat que j'enchaîne, allez, hop, non, je vais me sauter dessus, ça va marcher, KO, bien joué. 24, ready, fight. Allez, hop. Peut-être qu'il y en a qui préfèrent encore Tekken Tag Tournament à Tekken 7, hein. Peut-être qu'il y a des trucs qu'ils aiment pas, comme le Rejard, qui est relativement salaud comme tout, je dois dire. Puisque ça permet de prendre l'adversaire par surprise et de retourner le combat. Mais bon, faut bien qu'il y ait des moyens de retourner une situation lors d'un combat, si on peut. Voilà, allez, hop, allez, je me percute, je bloque, voilà, il pratique ce combo parce qu'il serme avec un coup bas. Et on pense pas vraiment à bloquer les coups bas, voilà, you win. Et on passe au combat suivant, donc contre King. Fight, donc King, j'aime pas affronter King, alors là c'est. Là c'est toujours un duel aussi, comme le précédent combat. C'est un duel, donc là c'est un contre un, c'est les règles sont. Allez, bon, c'est un petit combo que j'ai appris à faire avec Julia. Allez, hop, petit suplex. Non, et là je suis en feu. Alors là, voilà, il m'a chopé, il va lancer une projection enchaînée. C'est pour ça que je déteste affronter King. Heureusement qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de sa projection, hein. C'est pas drôle les projections enchaînées, franchement. On peut s'en échapper, c'est sûr, mais c'est moins évident que dans Dead or Alive, quoi. Allez, hop, tu vas. Là, il veut amorcer un combo à du coup. Allez, pourquoi la charge d'épaule. Allez, point. Allez, coup qui bas. Coup qui bas. Et voilà, great. Voilà, ça. Quand on est en mode rage, on fait plus mal et ça peut faire la différence. Et on n'a pas de Rejard. Donc, mais le mode rage ne dure qu'un temps. Donc après, eh ben, allez, hop, voilà. Non, j'ai raté le combo. Hop, petit shot, cross shot, bien joué. Le coup de pied. Allez, la projection. Hop, non, j'ai bougé. Allez, il me fait une clé de jambe. Ça, c'est à espèce de mouvement. Allez, le dropkick. Coup de pied, non. Allez, oui. Allez. Ah, tu veux jouer les rois du ring. Et voilà, hop, le petit dropkick bas. Great, youpi, you win. Ah, ça fait du bien. Et en fait, là, je tombe sur le même adversaire. On va dire, on choisit pas son adversaire. Hein. On choisit pas vraiment son adversaire. On peut tomber deux fois de suite sur le même. Et là, bah, je sens que. Là, je m'enflamme, là, si je puis dire. Boum. Il est un peu sombre le stage, je trouve. Il y a un petit peu sombre. Alors, hop, le coup de pied, deux, trois coups de pied bas. Non, il y a enchaîné. Hop, le coup de pied dans la figure. Allez, round 2, fight, je crois qu'il y a même des moments où je vais un peu appuyer sur les boutons un peu au pif. Ouais, d'accord, ok, donc une petite clé de jambe, figure for a lock. Ouais, kick est bas. Ouais, hop, je fais scissor kick, hop, et là, voilà, hop, on enchaîne. Je suis en colère. Là, je suis dire, je lui laisse pas dans le répit, là, allez, hop. Allez, hop, il veut faire quelque chose. Ah non, il a bloqué la projection. Yeah, hop, voilà. Non, il a bloqué la projection encore. Voilà, KO. Round 3. Rally, fight. Allez, prends le point. Voilà. Attention. Hop, je bloque pas. Il va piquer. Hop, passe dessus. Hop, non, il a raté son. Allez, il me plonge dessus. Le piquer. Allez, le bleu percut, allez, je m'enflamme, allez, j'étais au petit mur, là, voilà, KO, bonne nuit. Bon, mais, pas... Ouais, voilà, donc là, j'ai récupéré mon rang. Fight, et on passe au dernier combat de cette série, voilà, et là, contre le duo Armor King Jack, voilà. Allez, voilà, il y a une blague qui dit, vous savez pourquoi Michael va ouvrir la porte, et bien parce que Jackson. Voilà, c'est une blague à la con. Et il faut bien que je sors des jeux de mots, alors là c'est son Jack qui va. Jack le cyborg, toujours présent en Tekken, hein, depuis le début. Armor King aussi d'ailleurs, hein, c'est. Allez, hop, le coup qui est bas. Allez, hop, le point, avec le point, bloqué, non, allez, arrête,
Là, hop, jeu, il fait un suplex. Voilà, allez, hop, tu vois, là, le coup de pied en course. Fight, coup en même temps, le point pied, on fait les pieds et les mains, hein, voilà, le suplex. Le scissor kick, là, allez, non mais, allez, dis non, tu changes de personnage, mais je te laisse pas. Je te laisse pas, allez, je préfère JC à Julia, je sais pas pourquoi, enfin, c'est, même si c'est presque la même chose. Allez, allez, mais, arrête de. Allez, espèce de. Allez, pitié. Pitié, non, je bloque. Allez, coup de coude. Allez, boum, prends ça, voilà. Tu te mets au pied du mur. Le clean arrow raté. Point. Point. Bloqué. Pas bloqué. Ouais, allez, attention. Non, mais je. Non, mais ça suffit, oui. Allez, hop, petite roulade. Pitié. Eh non, j'ai voulu le projeter. Je suis plus en rage. Un petit flip, ça sert à rien, mais bon. Et voilà, le coup de pied dans la face. Et on arrive au dernier round. Ready, fight. Allez, le sur kick. Allez, le coup de pied. Le coup de pied bloqué. Allez, encore. Il m'envoie contre le mur. Allez, point. Point, le coup de pied. Allez. Non, j'ai voulu faire. Je voulais faire une projection spéciale, mais ça marche pas. Le point. Allez. KO, il m'a eu pour ce round. Round 4, ready, fight, allez, coup de point, piqué, allez, le surplex, hop, l'esquive piqué, non mais il enchaîne, hop, non j'esquive pas, j'ai voulu tenter l'esquive mais ça a raté, allez, le dropkick, et voilà, et boum, la charge d'épaule, le coup de pied, allez, hop, voilà, tiens, ça y est, hop, prends ça. Et la vidéo va bientôt se terminer, le surplex, voilà. Et whoop là, et voilà, donc cette vidéo s'arrête ici, c'était une série de combats en ligne sur Tekken Tag Tournament 2 avec JC. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, tout un point. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé, et bis bye, ciao.